envoyer la famille. L'état-major général des FATCH, Forces armées togolaises, a encore une fois frappé fort. Il vient de signer une note de service. Il vient de prendre une décision interdisant à tout militaire togolais d'adhérer à des sociétés de trading dans la famille. Dans cette vidéo, je vais essayer de lire par ligne cette note de service et on va le décortiquer au fur et à mesure. Mais avant toute chose, la famille. D'abord, si on parle des sociétés de trading, déjà, c'est des sociétés illégales de placement d'argent. C'est des sociétés douteuses. Et généralement, les promoteurs de ces sociétés, après avoir ou après être rempli les poches, ils coupent tout contact et ils deviennent introuvables dans la famille et laissant du coup leurs adhérents dans le désarroi total dans la famille. Sans plus tarder, let's go. Note de service. Donc, objet rappel à l'ordre. Il a été constaté que plusieurs militaires s'adonnent à des jeux de hasard et adhèrent à des sociétés illégales de placement d'argent communément appelées sociétés de trading en investissant leurs soldes ou leurs gratifications dans le but de faire des profits. Voilà. Tout d'abord, c'est d'abord un constat que le chef de l'état-major a constaté. Ouais, donc c'est un constat d'abord, hein, que voilà, bon nombre de soldats, bon nombre de militaires, voilà, ils investissent dans ces sociétés, hein, de trading là. Ok. L'implication active ou passive du personnel de FATCH donne du crédit aux promoteurs de ces sociétés douteuses qui, après s'être remplis les poches, coupent tout contact, deviennent introuvables et laissent leurs adhérents dans le désarroi total. Voilà. Vous vous rappelez l'affaire, exemple l'affaire de Pisselin Awaga, c'est pareil. D'un jour à l'autre, bouf, il a coupé tout contact et il devient introuvable. Bouf, il a fui. Et il a laissé tous les adhérents comme ça dans le désarroi la famille. Dans un trouble profond. Dans le trouble moral profond à la famille. Ces comportements qui n'honorent pas la fonction militaire impactent négativement le moral de la troupe et mettent potentiellement en péril les efforts consentis par le commandement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du militaire togolais. Voilà. Déjà, le commandement de l'état-major, chaque temps, ils font des efforts pour contribuer ou améliorer les conditions de vie et de travail à tout militaire togolais. Mais ce genre de comportement, ça n'aide pas à la famille. Vous voyez, ça n'aide pas. De plus, l'adhésion massive des militaires à cette société constitue un obstacle dans la conduite harmonieuse des procédures en cas de poursuite des promoteurs. C'est normal. Du moment où les militaires me adhèrent à ça. Et quand on aura maintenant, et en tout cas en cas de poursuite de ces promoteurs-là, comment l'affaire va vraiment se régler? Voilà, voyez, ils sont dedans. Hein, ça, vous savez que l'affaire ne sera pas vraiment partiale, quoi. Hein? Vous voyez un peu, non? Hein? L'affaire ne sera pas vraiment juste, quoi. Vous voyez un peu. Les forces armées togolaises constituent une entité régie par des règles de conduite et une discipline que nul n'est censé ignorer. Comme vous le savez, la loi, là, nul n'est censé ignorer la famille. Et de surcroît, chez les FATCH, chez les forces armées togolaises là-bas, il y a un peu d'équité, il y a un peu de discipline la famille. Elle se donne de refléter une image d'intégrité et de rigueur dépourvue de toute cupidité. Voilà. Leur image doit être dépourvue de toute cupidité. Cupidité, c'est quoi on appelle cupidité? Cupidité, c'est le désir immodéré d'argent, le désir immodéré de richesse. Voilà, on est cupide la famille. C'est ça que les FATCH ne veulent pas. Ouais. À cet effet, à compter de la signature de la présente note de service, il est interdit à tout militaire d'adhérer ou d'apporter un quelconque soutien à une société illégale de placement d'argent ou toute autre entité de spéculation monétaire. Voilà, la décision est tombée. Donc c'est interdit là. Excusez-moi. Dès la signature de cette nos services là, interdit à tout militaire d'adhérer à ces sociétés de trading, tout ça là, voilà. Vous voyez un peu non? Tout contrevenant sera sévèrement sanctionné conformément au règlement en vigueur. C'est normal. Tout contrevenant, du moment où tu ne veux pas respecter cette terme de service, cette décision-là, ah, tu seras exposé au règlement. Il sera puni, il sera sanctionné conformément au règlement en vigueur, conformément aux dispositions de la famille. Donc les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, les chefs de service interarmée, les chefs de formation militaire, ainsi que le directeur général de la coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC sont chargés chacun en ce qui concerne l'exécution de la présente note de service. Voilà, que ce soit le directeur général de la gendarmerie, le directeur général de la coopérative d'épargne, coopérative militaire d'épargne et de crédit, tous les chefs sont tenus vraiment à respecter ça. Vous voyez un peu, donc c'est signé le 7 juin. Donc 7 juin 2024 par le général de brigade Allahare Dimini, qui est le chef d'état-major général de FATCH. Voilà. Enfin, déjà, en ce qui concerne l'actuel chef d'état-major général de FATCH, Allahare Dimini, donc pour le petit rappel, donc il a été élevé au grade de général, avant il était colonel, donc il a été élevé au grade de général de brigade le 27 mai 2024, voilà, par le président de la République, son excellence fort et Ghislain. Et déjà le 30 mai, donc c'était un jeudi, même 30 mai 2024, il a fait prise de commandement. Donc il a remplacé le général de brigade aérienne, Jato Tassini. Et du coup, donc l'actuel chef d'état-major général de FATCH, donc Allahare Dimini, donc il est le dixième chef d'état-major de l'histoire des FATCH de la famille. Voilà, donc voilà une des premières décisions que notre général de brigade Allahare Dimini, voilà, a pris la famille. Voilà, une des premières décisions qu'il a prise, voilà, en français la famille. Voilà. Donc comme vous le savez, ce n'est pas seulement les militaires qui s'adonnent à ces jeux de hasard. Ce n'est pas seulement les militaires qui s'adonnent à ces jeux de société, de trading, voilà. Et aussi nous-mêmes, les compatriotes, les concitoyens congolais et la famille. Donc on doit s'abstenir de ces genres de trucs. Si vraiment nous voulons l'argent, nous cherchons de l'argent, mais cherchons de l'argent de façon digne. On veut de l'argent, il faut travailler à la famille. Comment s'adonner à ces sociétés qui vous faire des promesses, des rentabilités colossales, 200%, 300%, 700%, c'est quoi la famille? Non, ce n'est pas possible. Hein? Travaillons à la sueur de votre front. Hein? De votre front, la famille. Voilà, encore une fois, là, ce n'est pas bon. Donc c'est un rappel à l'ordre, la famille. Du moment où les militaires sont tombés là, nous aussi là. Nous aussi, en tant que citoyens, on doit prendre ces exemples de ça, que c'est ce genre de jeu de hasard. Ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Encore une fois, vous vous rappelez de l'affaire Ghislain Awaga, comment il a amassé des milliards de Togolais, il a fui. Et après le Togo, c'est comme s'il a fait aussi pareil aussi au Congo, le Congo, voilà, je crois la famille. Donc, encore une fois, essayons de voir nos manières de faire. Cherchons de l'argent de façon digne, la famille. Voici l'information que je n'ai partagée avec vous. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Donc sur ce, allez, nous on dit ciao, ciao.